Bonjour, cette première petite vidéo pour vous montrer comment se connecter à notre plateforme de formation. Donc, vous avez donc l'adresse mail cftpa.baldois.fr/moodle pour vous connecter. Vous tomberez donc sur la page d'accueil. Alors, deux solutions pour se connecter, soit en haut en cliquant sur connexion, vous revenez sur une page où vous pouvez rentrer vos logins, ou sur la page d'accueil, en descendant un petit peu, vous avez donc un bloc connexion. Vous avez dû recevoir par mail votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe provisoire qu'il faudra donc changer ou réinitialiser lors de votre première connexion. Si vous avez donc vos mots de passe, vous pouvez les rentrer. Donc votre nom d'utilisateur, c'est souvent votre première lettre de prénom en minuscule suivie du tiré du 8. Et votre nom en minuscule et le mot de passe, donc celui indiqué dans le mail ou celui que vous avez choisi après votre première connexion. Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez utiliser la fonction mot de passe perdu juste en dessous de connexion. En cliquant, ça vous amène donc sur une page. Vous pouvez utiliser deux méthodes. Alors soit vous ne maîtrisez plus ou connaissez plus votre nom d'utilisateur, vous pouvez utiliser votre adresse, l'adresse mail que vous avez communiquée au centre. Donc soit vous rentrez votre adresse mail, soit votre nom d'utilisateur, vous faites rechercher. Vous allez recevoir sur votre boîte mail un lien qui vous permettra de vous reconnecter à la plateforme avec un mot de passe temporaire qu'il faudra réinitialiser à nouveau. Je vais me connecter pour que vous puissiez voir l'interface que vous aurez lors de votre connexion sur votre espace étudiant. Donc voilà, vous allez effectivement tomber sur cette page de connexion avec les différents blocs qu'on l'on verra dans une autre vidéo. Au revoir.